a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, something new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. I found my way. Mardi 22 août et premier job de la matinée fait. Donc on a traité, comme je l'ai expliqué hier, on a fait le désherbage en fait sur les futurs semis de colza. Comme ça, il n'y aura plus qu'à préparer le sol. Bon, préparation de sol, on verra ça le jour du semis, je pense. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire feu le jour du semis en fait, tout simplement. Bah, je crois que tout le monde est au café, on va aller prendre un café. Midi comme midi. Bon, programme du père, souffler la coupe. Ensuite, moi, peut-être que je passerai le coup de karcher, on verra qui fait ça. Et l'hiverner, en fait, là où il est, l'hiverner, regarde. Ça, c'est déjà tordu, ça. Ça, c'est le dernier champ. En rentrant dans le champ de Gilbert de Févrol, il y avait un gros coup de cul. Enfin, l'entrée du champ, ça grimpait fort d'un coup. Donc, bah, forcément, quand la batteuse a escaladé, ça, derrière, ça a frotté fort. Donc, ça l'a tiré tordu. C'est un reproche que je pourrais faire, je sais pas comment c'est pour les autres constructeurs ou pas. Moi je suis pas ingénieur, hein, ça se trouve c'est comme ça, c'est normal, mais le reproche que j'ai au chariot de coupe, c'est qu'il est trop bas au sol. Il frotte tout le temps pour rien, puis même parfois, tu veux mettre la béquille, par exemple avec le Tesco, tu veux mettre la béquille mais tu peux pas l'enclencher. Regardez, je vous montre. Vous voyez ? Tu vois, là, je peux pas remonter la béquille. Vous voyez ? Je peux pas mettre la béquille. Alors souvent, bah, on débloque comme ça, et puis avec la machine, bah, on recule, et en reculant, ça force à lever. Mais enfin, on peut pas. En plus, là, je suis sur un béton. Je suis pas sur un sol qui n'est pas plat. Enfin, là, je suis sur un béton droit. On peut même pas mettre la béquille. Et c'est le reproche que j'ai, c'est pourquoi c'est aussi rat de sol. Alors, bah, certainement une question d'équilibre, ou j'en sais rien. Je suis pas ingénieur. Hein, je peux pas critiquer comme ça, mais c'est trop bas au sol, ce chariot. Alors du coup, bah, dès qu'il y a une petite butte ou quoi, forcément, bah, là, on a complètement frotté au sol en rentrant dans le champ. Et puis, quand on veut décrocher, souvent, on se fait chier parce que pour mettre la béquille, c'est chiant. Alors, t'es obligé de descendre, la désactionner, reculer un peu avec la machine, la réactionner. Enfin, ça, c'est pas pratique. C'est le reproche que j'ai à faire. Bon, le petit frère, lui, continue à broyer tous les tours de champ. C'est ce qu'on fait en général après les récoltes. Et ben, on entretient le bord des haies pour pas que ça gagne sur le terrain, pour ben, que ce soit entretenu tout simplement, quoi. Le père, lui, est en train de nous nettoyer aux petits oignons la coupe. Et moi, je vais reprendre la grosse pelleteuse et finir de niveler l'ancienne place de poche à azote, ben, pour avoir de la place pour garer du matériel, circuler, etc. Enfin, faut bien s'en occuper un moment. Ça n'a pas changé, hein. Ça n'a pas changé de système. Bon les amis, note sur 10 sur mon nivelage. 0, je veux rien savoir. Heureusement que je passe pas mon CAP ce matin, hein. Sinon c'était mort. Là j'ai bien réussi à racler, à niveler le niveau, un peu à tasser ici. Mais là-bas j'ai essayé à reprendre mais j'y arrive pas, je creuse là-bas. Alors le père il rigole, il me fait attends, hein. Tu peux pas me laisser 2 minutes que je te montre. J'ai fait oui. C'est pas trop mal. Ok, c'est pas trop mal, ouais. Moi je veux peut-être aller, lui on voit il prend beaucoup plus son temps, moi je veux aller peut-être un peu trop vite quoi.
Bon, il n'y a pas à dire, c'est carré. Hein. Bon, après, hé, pour me dédouaner quand même, j'avais fait le plus gros du travail. J'avais commencé à étaler les gros gros tas de terre. Il manquait juste la petite finition que je venais de commencer. Donc, bon, c'était le boulot que j'étais en train de commencer, de vraiment finir de tasser. Et bon, le père est quand même plus rapide que moi. Moi, j'aurais pas été aussi rapide, je pense. La dinguerie. On est aussi producteur de gazon si vous voulez. Je peux vendre des plates-bandes de gazon. Regardez le système racinaire. C'est que de la racine, c'est un tapis de racines. Toutes les racines se sont liées entre elles, ce qui fait que ça se tient quoi. Une baguette géante. La coupe est plus que propre et puis il restera plus qu'à la fiouler pour qu'elle puisse se conserver dans le temps. Mettre un mélange huile-essence pour que bah, ça soit imprégné, que ça ne rouille pas l'hiver. Du coup, il n'y a plus que ça à faire. Ils sont venus pour le semoir. Donc là, le mécano, il s'est occupé de recharger la clim parce qu'il faisait plus du tout de froid. Donc recharger la clim aussi, il y avait les problèmes de clac-clac au démarrage là. Donc apparemment ça c'est le coupe-batterie, quand le coupe-batterie déconne ça fait ça, donc là on a chanté le coupe-batterie pour le changer. Et on a vu pour le semoir. Bon déjà, bonne nouvelle, le semoir fonctionne. Mais c'est quand même bizarre cette affaire, c'est quand même bizarre. Donc oui en fait il y avait un problème de calibrage. Quand on faisait le calibrage du semoir, de base ça faisait des chiffres aberrants quand on rechangeait le calibrage. Il sortait des pesées fictives, enfin ça marchait pas du tout. Donc on avait tout démonté pour envoyer boîtier. Boîte électronique ici et moteur chez Sulky pour le tester. Ils l'ont testé, ils ont dit que ça allait bien. Donc nous, bah, on l'a remonté. Mon père a nettoyé mais tous les câbles, il a tout bien soufflé, chaque connexion un peu partout avant de remonter. Il a tout nettoyé super. On rebranche, sauf qu'en fait, du coup, ce qu'on a vu avec le mécano, c'est qu'apparemment, on n'aurait pas bien rebranché les fils. Déjà, ça explique le fait que ça ne marchait pas. Bon, pourtant, on avait pris des photos avant de démonter pour bien remonter. Donc déjà, c'est pour ça qu'en fait, le moteur marchait en saccade. Le tin, il s'arrêtait. Ce qui fait qu'il marchait en saccade, c'est parce que c'était mal branché. Par contre, ça n'aurait jamais résolu le problème de calibrage qu'on avait déjà avant, quand c'était encore bien branché. Sauf que là, bah, on a fait avec le mécano, on a fait plein de calibrages, tout marchait, tout fonctionnait. Alors, est-ce que du coup, quand le père a démonté tout le moteur, tout ça, et à emmancher le boulot de tout nettoyer les fils à fond, est-ce que du coup on aurait résolu ce problème de calibrage? Peut-être. Ah, la prise qui relie le semoir au tracteur, il y aurait pu avoir des problèmes d'oxydation ou de faux contacts, etc. Que du coup, le père a extrêmement bien nettoyé au moment de tout le remontage du moteur quand c'est revenu de chez Sulky. Bah, peut-être qu'on aurait résolu ce problème de calibrage au moment du nettoyage. Mais par contre, on aurait créé un autre problème en remontant à l'envers le moteur. C'est normal que le moteur, du coup, marche en saccade parce qu'on avait mal remonté. Mais du coup, le problème de calibrage qu'on avait eu au départ, il y a 3 mois, comment on l'a résolu? Est-ce que d'un seul coup, ça s'est mis à fonctionner sans raison? Est-ce que c'est le fait que le père ait bien nettoyé les câbles que ça refonctionne? J'en sais rien. Bon, bref, en tout cas, SM3 classe toujours les cracks. Ils sont arrivés, et du coup, le gars a observé, il nous a dit... le mécano nous a dit comment ça fonctionnait exactement. Et puis là, il nous remet un peu bien d'aplomb, 830, 2-3 petites connexions, 2-3 trucs à refaire pour qu'on soit bien là. Ce qui veut dire que le programme de demain, c'est semis. Voilà, on n'a pas besoin, je suis content. J'ai pas attelé mon semoir de 3 mètres parce que là, le débit de chantier, il aurait été égal à 0. Et le fuel de dépenser, l'énergie de dépenser, le temps de dépenser pour semer seulement un couvert végétal avec le semoir air rotatif 3 mètres, ça aurait été pénible. Du coup, là, on va mettre les semences, on va rouler à 12-13 km/h et on va emmancher du chantier. Donc voilà le programme de demain, les amis, je vous dis à demain.